Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Elden Chronicles. Alors, désolé pour la petite attente pour la suite de ce let's play. J'ai été les vacances des enfants, le programme un peu chamboulé, avec des trucs pas très prévus. Et voilà, et en plus, du coup on part. Le moment que vous êtes pas où vous verrez cette vidéo, nous on sera parti, on sera du côté de Paris. J'ai une certaine petite souris. Le programme est évidemment changé par rapport à ce que j'ai planifié aussi sur la vidéo de Undead que vous avez pu voir. Ça arrivera. Là, on enchaîne du coup derrière Undead et ce sera Undead Chronique pendant. Ça sera Undead Chronique jusque samedi sûrement. Et samedi, on reprendra Undead en 2 jours et puis on alternera les deux titres, à mon avis. Voilà, comme ça vous savez. Et y a pas de soucis. Oh! Mince, faut le connaître. J'avais oublié qu'il était, il s'était pris. Et en plus, j'ai plus de soins. Pas génial ça. Je vais pas arriver avec un. Bon, attends. Qu'est-ce qu'il soigne encore? J'ai des trucs de résurrection, mais j'ai pas de. Embêtant. On va faire tout simplement. Ok, on attaque aussi. Bon, alors on va se faire sans. Moi, heureusement, ils sont pas. Ils sont tout faibles. Ah, mais ça va être compliqué là sans coupe de soin. En vrai. J'ai absolument aucune magie de toi en plus. Le premier boss, il va me mettre à l'amende. Alors, pour qui ça? Pour Melor. Et la rune de terre. C'est quoi ça, un œuf classique? Ouais, un œuf ordinaire, d'accord. Ça ne sert à rien. Et. On trouve la capacité de disposer de la magie de terre de niveau 1 à 3. Rien du tout, c'est personne en fait, c'est pas un seul magicien. C'est très embêtant cette histoire. Que je devrais déjà par hasard revenir en arrière pour essayer de trouver des trucs de soin. Bon, on va voir, on va explorer un peu tout d'abord. Ok, bon. L'auto. Un de moi. Ce niveau là du coup Melor et Noah il prend de la retard sur les niveaux parce que il tombe et il prend rien. Ah, c'est embêtant ça. Ouais, surtout que je peux pas les utiliser
un truc pour me dire que je vais gagner un peu plus d'XP, mais enfin de points de vie, mais non. En combat, je dois les utiliser, donc il faut qu'ils tombent d'abord. Okay, donc on va devoir faire les matchs en combat normal, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Hein. Un petit truc de soin là, ça serait bien. Même la défense ça servira à rien de toute façon pour le cas de Nova parce que votre PV c'est quand même passé pour le foutre à terre. Bon. C'est parti. Je suis mal avec plusieurs personnes dans le départ. Et tu te fais d'XP. Un niveau pour Lian et pour Gar et pour Yogo. Je me plante pas de chemin, ouais. Là, je peux choisir. Non, là, je vais te payer celle derrière. On va faire ça, ce coup de sanglier alors. Ok. Bon, Gary, il encaisse bien, lui. Ah, il est pas mort, merde. Ah. Ok, nouveau tour. Je vais passer en auto, de toute façon. Je suis déjà passé par ici. J'ai un doute, non. Ouais. Ah oui, en fait, j'ai buté le boss la fois passée. Donc, en fait, je suis en train de revenir en arrière, là. Simplement. Pop. J'ai battu le boss et j'étais venu ici pour battre le boss.
Ouais, je suis déjà venu ici en vrai. En fait, il faut que je me barre. Ok, bah, du coup, demi-tour. Désolé pour ce petit oups. Comment dire? Petit oubli. Je pensais pas qu'il allait me mettre au début en fait, du truc avec la sauvegarde. Bon, pas très grave du coup. Je vais le faire en auto. Hop, ça ira plus vite. Parfait. Bon bah désolé pour ce petit couac de jeu. Je suis fourvoyé, mes amis. Complètement planté. J'ai déjà fait tout ça. Du coup, j'ai perdu 10 minutes là. À faire des trucs que je n'avais pas besoin de faire. Mais bon, c'est la vie, je suis distrait. Ça arrive. Les jours qui sont passés avec. Avec la partie précédente, donc, du coup. M'étais sorti de la tête, donc vraiment désolé. Au moins, ça me fait exprès. On va dire. Je serai plus préparé pour la suite. On va en se mêlant que les ressources régénèrent, mais pas les coffres. Nous y voilà donc. Il faut retourner en ville, c'était où encore? Je pense que c'était là en dessous, je suis plus sûr maintenant. Je pense que c'est là, ouais. Ok, bon, on va aller voir là-bas. Ah, c'est dingue qu'on oublie que... La vieillesse, on joue pas pendant quelques jours, on oublie un peu, et puis... Et puis le cerveau, il y redémarque pas aussi bien qu'avant. C'est ici. Hein. Je pense, je suis pas sûr. Par contre, faut acheter des trucs au moins, ça c'est clair. Easy peasy. Ah bah, c'est bien ici. Du coup, pour tourner voir notre ami qui était juste en face en fait. Non, c'est pas là. C'était... Là-bas.
Alors, monsieur, on peut vous parler maintenant? Encore vous, ne me dites pas que vous avez déjà oublié votre mission. Vous avez demandé de recruter des membres pour la garde. Si c'est trop vous demander, dites-le. C'est ce que j'ai fait, monsieur. Non, allez. Ça. Pas assez, alors. Par contre... Alors déjà, on va vendre des trucs. Ça pas. Là, j'ai besoin d'un œuf, voire autre que oui. Ça, c'est l'autre là, qu'on peut me servir. Ça, je peux vendre. Je vais les garder encore pour le moment. Sieste. Voilà, au moins on a récupéré nos PV. Bon, par contre, je suis un peu embêté. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je pensais que j'avais recruté deux personnes, c'était suffisant, mais apparemment pas. J'en trouve un dernier. On va fouiller. Hein. Je sais même pas s'il est ici. Bon, c'est pas ici non plus. Non, 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 sûrement pas ici dedans. Trouverai quelqu'un. On a trouvé le ninja, enfin le samouraï, on a trouvé la magical girl. Qu'est-ce qu'il faudrait encore alors? Il manque quoi? Voilà, c'est que difficile, je crois que ça va prendre du temps. Il manquerait quoi derrière? Bien que tu le dises. On va la récupérer ici, non. Ouais, bah c'est pas par là non plus. J'avais déjà été, c'est là où j'ai recruté le samouraï. Bon, c'est pas ici que je vais trouver quelque chose d'autre. J'aurais pu m'en douter. Pas un truc qui sort un peu du lot là. Non, juste des. Des badauds. Des gens. Peut-être là. Je vais pas obéir de ma part, après, quand vous en serez un peu plus. Ok, bah c'est pas pour là non plus. Et bah, on va faire un truc de sa boutique parce que j'ai besoin de trucs. Vraiment, des herbes de soins, j'en ai besoin. Un paquet pour 20, en plus on va même prendre plus, c'est rien. Voilà,
Ça peut être pratique aussi, je vais en prendre deux. Voilà. On est dans un donjon, on vient à l'entrée ici. Vaut mieux ça que de mourir en plein milieu du donjon parce qu'on est dans la miel. Bon. Du coup. Faisons un petit coup d'emplette là. Des trucs sympas ou pas? Casque en bronze un peu mieux pour Noah. Ouais, c'est pas non plus la folie, à vrai dire. Ouais, bon. Les petits détails à ce niveau-là, on va garder. C'est ce qu'on lootera de toute façon. On va sûrement tomber sur mieux assez vite. Changer de rune, oui peut-être. C'est quoi que j'ai là? Rune de perçage d'armure. Ok. Je la retire, ça fait hop. Ah, en fait, je sais pas quoi, je peux mettre que ça. Ah, toi, tu peux par contre. Une, deux. Ouais. Bon, la force de 5% et je peux mettre au cas les capacités d'exploser les magies de la terre de niveau 1 à 3. Je vais essayer tout de même, hein. Ça peut être intéressant. Niveau 14 pour débloquer le deuxième, ok. Là, j'ai rien d'autre non plus, ok, bon. Attends, ouais. Est-ce que t'as rien comme truc à vendre, toi? Peut-être c'est Yogo qui peut tout, qui perd, ouais. Eh bien, je donne ma langue au chat. Ça serait un épisode qui aurait été un peu inutile en vrai. Je suis sincèrement désolé du coup que ça va pas totalement inutile. Je vais voir le forgeron, peut-être que, mais. Alors, pas de 5 à 7, de 7 à 10. On ne peut rien faire sur ça ici, c'est dans une autre forge, d'accord. Ok, celle-là je peux par contre. Oui. Ok, je peux pas aller au-dessus du niveau 3. Voilà, on a fait au mieux pour tout le monde. Ok. Bon ben, c'est-à-dire que c'est pas ici, hein. Malo, parce que je sais plus si elle m'avait dit quelque chose, la Magical Girl, dans l'épisode précédent, mais ça ne me parle pas. Bon ben, c'est pas grave, on va rester là pour aujourd'hui, on va aller voir dans une autre ville le prochain épisode, en espérant débloquer un peu la situation. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et encore une fois, désolé d'avoir un épisode qui est un peu bateau. Et on se retrouve après-demain, du coup. Quoique, tournée réfléchisse. Non, plutôt demain. Demain pour la suite d'Ayuden Chronicles. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Enfin, à la prochaine tout le monde.